Salut, cher abonné de cette page Cabinet de gestion moderne, mais aussi de la chaîne YouTube Sylla Bangali Conta. Pour ceux qui me connaissent, nous sommes ensemble depuis 2017 sur la chaîne YouTube Sylla Bangali Conta où j'ai quitté pour venir au cabinet de gestion moderne, mais je reviens de temps en temps pour continuer la mission avec vous pour ceux qui n'ont pas le temps de venir apprendre avec nous au cabinet de gestion moderne, c'est-à-dire je vais parler des abonnés qui sont à l'international, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, à Bamako, Congo, ainsi de suite, au Niger bien sûr, parce que voilà, je reçois les messages venant des abonnés qui sont au Niger. Donc nous sommes un cabinet formation comptable qui fait aussi l'accompagnement en entreprise en ce qui concerne l'assistance comptable. Nous évoluons aussi dans le domaine informatique. Nous faisons aussi la gestion administrative. Donc, c'est un cabinet de formation comptable, de gestion administrative et de gestion informatique. Alors, moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sylla Bangali, consultant comptable et financier, consultant siège au cabinet de gestion moderne. Avant de commencer, je vais d'abord souhaiter mes meilleurs vœux à tous les abonnés de cette page cabinet de gestion moderne, mais aussi de la chaîne YouTube Sylla Bangali Comptable. Donc, pourquoi mes meilleurs vœux maintenant? Parce que c'est la première vidéo de l'année 2023. Donc, je pense que je n'ai pas eu assez de temps parce que j'étais concentré au cabinet de gestion moderne en 2022 pour faire plus de vidéos pour vous. Je n'ai fait que 2 vidéos, je pense, en 2022. Et je suis désolé pour mes chers abonnés. Comme d'habitude, je vous ai beaucoup aidé pour ceux qui ont consulté le lien Sylla Bangali Compta sur YouTube. Donc, vous allez bien apprendre la gestion financière des entités avec le logiciel ou le logiciel siège, on va dire comme ça. Donc, aujourd'hui, le sujet du jour, c'est la possibilité de vous connecter à distance, d'utiliser ces à distance, de pays à pays, d'une région à une région, d'une ville à une ville. Donc, c'est possible, bien sûr. Je suis venu simplement pour confirmer ces questions. J'ai plein de questions dans ma boîte à mail, donc j'ai pas pu les répondre, mais j'ai dit attends, je vais préparer cette vidéo avec cette nouvelle version qui m'a convaincu. Wow, franchement, c'est à travailler sur cette nouvelle version, et donc je vais vous répondre avec cette nouvelle version. Et d'ailleurs, c'est facile d'utiliser ces à distance avec cette nouvelle version-là. Donc, c'est une version qui est très bien améliorée pour pouvoir suivre vos flux financiers et tracer votre situation, vos activités, vos pièces, ainsi de suite. Donc, avec Sage, c'est facile de gérer l'activité financière des entreprises. Donc, aujourd'hui, mes chers abonnés, vous allez voir un peu la capacité que ce logiciel a pour le suivi et pour la gestion comptable. Donc, plus tard, je vais vous présenter cette possibilité de se connecter à distance, d'utiliser ces à distance, c'est-à-dire pour les débutants, ça veut dire simplement que vous avez un serveur central qui est dans un réseau local à Conakry et que les antennes sont à l'intérieur du pays. Vous voulez travailler à distance ou tout simplement vous êtes à votre domicile, à la maison, vous voulez vous connecter un samedi pour achever ou pour visiter la comptabilité. C'est possible avec Sage de travailler à distance. Il suffit simplement d'utiliser une source externe. Je vais vous montrer tout de suite, que ce soit le modem Orange ou je sais pas, Cellcom ou MTN, vous pouvez. Donc, c'est possible d'utiliser ces à distance. Je confirme encore mes chers abonnés, mais je vais vous démontrer ça tout à l'heure. Bien avant, je vais d'abord sous l'ordre de la direction du cabinet de gestion moderne. Pour ceux qui ont besoin de comprendre la gestion comptable très bien, vous pouvez
rejoindre à Conakry, ici dans la commune de Ratoma, tout près de Lézénongo, ou ceux qui ont besoin, les entreprises qui ont besoin de l'accompagnement de l'assistance comptable, vous pouvez nous contacter pour vous aider à mieux gérer votre activité financière, mes chers abonnés. Donc, suivez s'il vous plaît nos formations, nos prestations, et je vous retrouve tout de suite pour la suite. À tout à l'heure. Pour vous montrer maintenant, d'abord, je vais vous présenter ces bijoux. Quand vous regardez l'écran de mon ordi, vous allez voir un peu l'icône des chaises pour les utilisateurs des arts. Je ne dis pas les débutants. Donc, les précédentes versions cloud, c'est la couleur bleue. L'icône présente une couleur bleue, mais cette nouvelle version, cette version récente qui date d'octobre 2022, vous verrez que l'icône présente la couleur noire. Et je vais lancer. Donc, il vous suffit simplement, mes chers abonnés, de vous connecter. Je vais me déconnecter, me connecter, vous allez voir. Donc, moi, j'utilise une source externe. Je ne dis pas quand même, peu importe le modem Orange, Cellcom, Ariba. Vous vous connectez. Je suis connecté au Wi-Fi de mon appareil téléphonique. Donc, je me connecte. Wi-Fi de mon appareil téléphonique, automatiquement vous lancez votre logiciel Sige. Voilà, donc vous voyez déjà, ce n'est pas la même ouverture, donc ce n'est pas la même présentation. Vous voyez, je pense que c'est très joli, c'est un bijou, franchement. Sige a travaillé, Sige a amélioré et Sige a innové tout simplement. Donc là, regardez, je vais ouvrir maintenant. Je vous informe que moi je suis à domicile comme ça, mais mon serveur quand même est au bureau. Le serveur se trouve au bureau. Voilà, donc je me connecte au serveur qui est dans un réseau local, au cabinet des gestion moderne 16e là-bas. Le serveur se trouve là-bas. Donc moi je suis à domicile comme ça. Voilà. Et donc là, regardez s'il vous plaît. Avant, il faut parcourir un chemin pour accéder aux données comptables et financières dans les documents comptables qui sont intégrés, voilà, je vais le dire, qui sont intégrés dans les logiciels de Sige. Je ne vais pas rappeler encore tous les logiciels ou tous les modules de Sige déjà. Quand vous regardez mes précédentes vidéos, j'ai parlé de plusieurs modules. Il y a le module Sige comptabilité qui permet de gérer toute la comptabilité générale. Il y a le module Sige gestion commerciale qui permet de gérer l'activité commerciale, à commencer par la gestion des stocks de vos dépôts et surtout le cycle de facturation de la demande d'achat jusqu'à la facture. Il y a aussi le module Sige IMO qui vous permet ici d'avoir ici une prévision de la perte de valeur de vos biens, de calculer la perte de valeur de vos biens à travers les calculs comptables qu'on appelle ici l'amortissement. Et vous savez que l'amortissement constitue un autofinancement pour une entreprise car il permet de conserver un fonds qui sera ultérieurement utilisé pour le renouvellement de vos matériels. Donc c'est important
pour que c'est important que le comptable fait l'amortissement des immeubles, car le principe de prudence en comptabilité interdit le transfert de tout montant qui est susceptible de gréver le patrimoine de l'entreprise. Ça, vous le savez. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, il est demandé à ce que le comptable fait l'amortissement des provisions afin de présenter un état qui reflète la réalité de votre patrimoine, de votre activité financière. Donc, mes chers abonnés, il y a aussi le module CSPI Ressources humaines qui vous permet de gérer le personnel d'une entreprise, à commencer par le calcul des rémunérations, des états centralisateurs, je veux dire les cotisations sociales, les cotisations fiscales, mais de vous permettre de suivre les carrières, de planifier la formation des employés, ainsi de la gestion du temps, ainsi de suite. Donc, il y a le moyen de paiement, il y a la caisse décentralisée, il y a la trésorerie, ainsi de suite. Donc, c'est un paquet de logiciels avec lequel vous ne pouvez pas échapper dans ce qui concerne la gestion de votre activité comptable, mes chers abonnés. Donc, pour ceux qui ont besoin d'un accompagnement dans ce qui concerne l'assistance comptable, nous sommes disponibles ici à Nongo. C'est facile de gérer votre activité financière, mais nous sommes un cabinet de formation comptable, de gestion administrative, informatique, mais aussi d'accompagnement en assistance comptable et autres, on va dire comme ça. Donc, mes chers abonnés, regardez cette fenêtre de Chase pour cette nouvelle version. Qu'est-ce qui se passe? Pour les habitués, ceux qui ont l'habitude d'utiliser Chase, vous savez, quand vous cliquez sur le plan comptable, d'abord, avant ça, pour avoir ici un résumé, une synthèse de votre activité financière, il faut présenter la balance des comptes. Il faut présenter la balance des comptes. Mais avec le plan comptable, cette fois-ci, vous avez les soldes, comme la balance. Vous allez voir les mouvements débit, les mouvements crédit, les soldes autour de chaque compte. Donc, même pour les non-comptables, les débitants, je veux dire, vous pouvez facilement lire votre activité financière et à travers une bonne explication, une bonne interprétation. Donc, vous pouvez facilement lire votre activité financière. Donc, pour pouvoir essayer une idée sur la situation des dettes fournisseurs, des créances clients, mais aussi les dettes au personnel, d'habitude, vous partez dans la balance des tierces ou dans le grand livre des tierces pour avoir la situation des dettes fournisseurs, créances et autres. Mais cette fois-ci, avec directement le plan tierce où vous créez vos fournisseurs, vos clients, vos salariés, vous pouvez automatiquement avoir ici une situation des dettes, hein? Des créances et autres. Regardez, c'est devant vous. Voilà, il y a des fonctionnalités qui ont été ajoutées même au plan comptable, telles que la calculatrice, le plan tierce aussi. Vous pouvez voir, c'est présent. Je vais revenir quand même sur des vidéos spécifiques pour vous expliquer l'objectif de chaque fonctionnalité. Mais de plus, vous verrez aussi que lors de la saisie, avant, ce n'était pas possible de calculer directement à la saisie. Mais cette fois-ci, si vous voulez, lors de la saisie, vous pouvez faire des calculs. C'est possible de faire des calculs. Voilà. Bon, je ne suis pas là quand même pour vous montrer comment saisir une pièce comptable. Si vous parcourez mes vidéos sur la chaîne YouTube, vous verrez les vidéos où j'ai montré comment saisir une pièce comptable. Donc, supposons, on va saisir une facture, par exemple, facture numéro 015, voilà, de CGM Guinée. Supposons 20 millions. Alors, si c'est le montant, le compte, nous voulons débiter le compte de 10 millions, on peut automatiquement calculer ici. Je vais diviser les 20 millions par 2 et vous verrez que le compte sera débité. Je ne vais pas ventiler. Vous verrez que le compte est débité de 10 millions. Là, regardez s'il vous plaît. Donc, c'est tout simplement, c'est possible cette fois-ci avec cette nouvelle version de calculer. Il y a plein de fonctionnalités. Mais comme l'objet ou l'ordre du jour, le sujet du jour, ce n'est pas de vous présenter
les nouvelles fonctionnalités de Sage. Je vais passer une deuxième fois pour vous expliquer cette nouvelle fonctionnalité-là. Mais aujourd'hui, c'est de vous montrer cette possibilité de se connecter. Je suis connecté à distance comme ça. Je vous dis et je répète que je suis à mon domicile, mais que le serveur central se trouve dans mon réseau local au cabinet là-bas. Donc là, regardez, c'est facile quoi. Avec Sage, à distance, vous pouvez travailler. Ensuite, si vous regardez, voilà. Donc, vous voyez, il y a quand même une performance qui a été effectuée par Sage. Donc, Sage a cette fois-ci bien travaillé à améliorer son logiciel. Il y a aussi la gestion commerciale, c'est la même chose. Il y a la gestion commerciale. Donc, vous voyez, ce n'est même pas. Donc, c'est une belle dame, hein, franchement. Dans la présentation, vous verrez même. Vous regardez même la présentation, vous verrez que cette fois-ci, franchement, Sage a travaillé. Et donc, c'était ça, mes chers abonnés. Je vous informe que Sage a innové, Sage a travaillé. Et d'ailleurs, c'est le logiciel que j'admire, que j'utilise tant. Que vous pouvez aussi utiliser dans la gestion comptable de vos entités, car si vous avez un outil de gestion pour pouvoir gérer votre activité financière, c'est facile pour vous de vous situer dans l'avenir en ce qui concerne la continuité de votre exploitation. Donc, mes chers abonnés, je pense que vous avez vu nos prestations. En ce qui concerne le premier métier qui a été présenté, c'est-à-dire la comptabilité générale, ça, c'est pour les non-comptables, les débutants qui n'ont aucune connaissance de base en comptabilité, qui veulent aussi avoir ici une carrière en comptabilité, ça c'est pour eux, qui est composé de 17 chapitres. Je vous rappelle que c'est un cours théorique, mais aussi qui est basé sur quelques logiciels pratiques comme Excel, et voilà. Donc, quand vous venez pour faire la comptabilité générale, il faut forcément que vous associez le métier assistant comptable. Mais pour ceux qui ont déjà une connaissance des bases théoriques en comptabilité, c'est-à-dire qui sont diplômés en comptabilité, vous pouvez automatiquement commencer par le métier comptable assistant comptable qui va durer des mois. Et avec ça, ce n'est pas uniquement lié au logiciel de gestion Sage ni Excel, mais aussi c'est associé au traitement des pièces comptables. Donc avec les professionnels, ils vont vous montrer comment traiter des pièces comptables et associer aux logiciels de gestion comme Excel, comme Sage, comme Access, donc, et si elle paye aussi, et si elle comptable. Si elle est abonnée, vous serez les bienvenus pour ce métier assistant comptable. Par la suite, vous avez aussi ce métier gestionnaire de stock et facturation qui vous permettra de maîtriser le cycle de facturation, mais aussi la gestion de vos stocks. Alors, qui va durer aussi un mois. Il y a le métier gestionnaire des paies et ressources humaines avec lequel nous vous aiderons à comprendre la gestion du personnel avec un cours théorique au préalable qui vous permettra de gérer le personnel, calculer les salaires, évaluer le personnel, mais surtout concevoir un tableau de bord avec le TCD, le tableau croisé dynamique en Excel, afin de faciliter une analyse des données. Donc c'est possible. Donc, il y a Excel avancé lié à la gestion du personnel qui est associé à cela, accompagné du logiciel Sage Paye de semaine, mais aussi du logiciel Ciel Paye, voilà, qui va durer aussi un mois. Il y a aussi les gestionnaires des immobilisations. Je vous ai dit, le principe de prudence l'exige. Donc, il y a chef comptable, ainsi de suite, fiscalité en entreprise.